بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، يسعدني لقياكم في تتمة درس الماضي المركب le passé composé avec l'auxiliaire avoir. في هذا اليوم سوف نقوم بإنجاز عدة تمارين. Aujourd'hui nous allons faire beaucoup d'exercices pour bien comprendre le passé composé. لكن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر سابوني، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو. قبل أن أبدأ لا بأس أن أذكر بالقاعدة. القاعدة تقول le passé composé est un temps de passé qu'on utilise beaucoup à l'oral. إذن الماضي المركب هو زمن نستعمله في التعبير الشفوي. Il est composé de deux mots ويتكون من كلمتين. الكلمة الأولى فعل مساعد يكون إما فعل avoir أو être. سبق أن رأينا الأفعال المصرفة مع فعل être و le participe passé du verbe conjugué. إذا نتكون من كلمتين. كلمتين هنا لدينا j'ai écouté، لدينا الفعل المساعد avoir، ثم الفعل المصرف écouté. avec l'auxiliaire avoir le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. إذا بالنسبة للأفعال التي تصرف مع الفعل avoir فإن le participe passé لا يتبع الفاعل في الجمع و التأنيث. الآن ننتقل إلى التمارين. Maintenant, mes chers amis, on va passer aux exercices. Le premier exercice souligne les verbes au passé composé. لدينا هنا عدة جمل. Nous avions choisi. J'ai chanté. Elle aura aimé. Tu as agi. Je parlais. Tu as compté. Ils ont blanchi. Vous ferez. Il a mis. لدينا هنا مجموعة من الجمل فيها أفعال. المطلوب منا أن نبحث عن الأفعال المصرفة في ماذا؟ في الماضي المركب. On cherche les verbes qui sont conjugués au passé composé. La première phrase. Nous avions choisi. Nous avions choisi. Ici, nous avons un temps composé, mais nous avons ici l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Alors, الزمن ليس هو الماضي المركب, c'est le plus que parfait. Eden, لدينا j'ai chanté. J'ai chanté. Ici, nous avons l'auxiliaire avoir au présent. Eden, لدينا fait avoir fait modare. Chanté, le participe passé. Alors, cette phrase est au passé composé. Dans un sens, tu as l'an al fait al-musarraf fi al-madi al-murakab. Il aura aimé. Ici, nous avons l'auxiliaire avoir, mais au futur. Eden, هنا fait al-musaid. avoir ولكن مصرف في المستقبل ليس في المضارع. إذن هذا الزمن ليس بالماضي المركب. تيا أجي. تيا أجي. nous avons ici l'auxiliaire avoir. أجي le participe passé. alors ici nous avons le participe passé لأن الفعل مساعد مصرف في المضارع. إذن سطر تحت. je parlais. je parlais. ici le temps n'est pas composé alors ce n'est pas le participe passé. إذن هذا الزمن ليس بالمركب. تكون فقط من كلمة واحدة. إذن ليس بالماضي المركب. Tu as compté. Tu as compté. ici nous avons l'auxiliaire avoir au présent. Ils ont blanchi. لدينا هنا الفعل المساعد avoir في المضارع. إذن هذا الزمن هو الماضي المركب. Vous ferez. c'est le verbe faire au futur. Il a mis. Il a mis. nous avons l'auxiliaire avoir plus le participe passé. alors c'est le passé composé. Maintenant on passe au deuxième exercice. تمرين تاني. donne l'infinitif de ces verbes. المطلوب منا هو يعطى أصل الفعل أي l'infinitif de chaque verbe. لدينا هنا مجموعة من الجمل. j'ai averti. ils ont vérifié. elle a dansé. vous avez applaudi. nous avons réagi. Fatima a ouvert. tu as uni. ils ont rougi. alors la première phrase. j'ai averti. j'ai c'est le sujet. est averti. et nous avons l'auxiliaire avoir au présent. Averti, c'est le verbe avertir. Le verbe avertir, c'est le participe passé du verbe avertir. Ils ont vérifié. Voici le auxiliaire avoir au présent. Et voici le participe passé du verbe vérifier. Ici, on a l'adena, elle fait le moussaïd avoir, le participe passé danser. Danser, c'est le verbe danser. Ou elle fait danser. Vous avez applaudi. Voici l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe applaudir. Applaudir, safaka. Nous avons réagi. Voici l'auxiliaire avoir au présent. Réagir, c'est le verbe réagir. Fatima a ouvert.
Nous avons A, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Ouvert, c'est le participe passé du verbe ouvrir. Ouvrir. Tia uni. Le dernier fait, le moussaïd avoir. A. Uni, c'est le verbe unir. Elles ont rougi. Elles ont rougi. Voici l'auxiliaire avoir. Et rougi, c'est le participe passé du verbe rougir. Très bien. Maintenant, on passe à un autre exercice. Complète avec le pronom qui convient. Nous avons ici des phrases. Ce qui manque, c'est le pronom. Le mot le munawad, le damir, le munasib. Iden, intalaqan, min tasrif, le fiel, le musaïd, avoir. Sauf un arif, le damir, la diyejibu anadaoumina. Ledena, on bondi, on. Wa tasrif, le fiel, avoir. Fi damir, italit, le jamin. C'est la conjugaison du verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Alors, on va écrire il. Ouajouz il wajé. Nous connaissons que tu vois il avec s ou bien elle avec s. Avait puni. Avait, c'est la conjugaison du verbe avoir à la deuxième personne du pluriel. Fit damir tani lil jam. Iden huna, damir le munasib wa vous. Vous avez puni. AS, c'est la conjugaison du verbe à la deuxième personne du singulier. Et dans le tasrif, le fait avoir fait un damir tani lil mufrad, la dit wa tu, anta ou anti. Avant, c'est la conjugaison du verbe avoir à la première personne du pluriel. Alors, la première personne du pluriel, c'est le pronom nous. Égardé, في طبيعة الحال هي الضمير الأول في المفرد أي ضمير المتكلم جي أون تيرميني كما رأينا في مثال الأول أون هو تصريف الفعل أفواغ في الضمير الثالث للجمع الضمير الثالث للجمع يمكن أن يكون إيل أو بيان إل هكذا جوز الوجه يمكن أن نكتب إل هكذا يمكن أن نكتب إل هكذا أ أشوتي وتصريف الفعل أفواغ أ إذن في الضمير إل بالنسبة لي لو بارتيسيب باسي فهو لا يتغير القديمة الشوفي او اكسون فيلا لأن جميع الأفعال التي تصرف مع لوكسيليغ افواغ لا تتبع الفاعل في الجمع وفي التأنيث ننتقل إلى تمرين آخر إكغي لو بارتيسيب باسي دي فيرب لدينا هنا أفعال سوف نكتب لو بارتيسيب باسي لكل فعل إذا مانجي C'est un verbe de premier groupe, ou une affaire de majmoua l'oula. Ou j'ai mis une affaire de majmoua l'oula. Ou nous fait akhiriha, e accent. Manger. J'ai mis une affaire de majmoua l'oula. T'entahive e accent. Fi le participe passé. Nafché, b'nisbel trouver. Tushbiho, manger. Trouver à la fin e accent. Boire, c'est un verbe de troisième groupe. Une affaire la titentahive u. Un colo, bu. J'ai bu. Tu as bu. Il a bu. Nous avons bu. Grandir, c'est un verbe de deuxième groupe. Wa fi al-majmou'a al-thaniya, et dans jami' af'al al-majmou'a al-thaniya, tentahi bi i à la fin. J'ai grandi, tu as grandi, il a grandi, nous avons grandi, vous avez grandi, ils ont grandi. Compter, ou كذلك fi al-af'al al-majmou'a al-oula, et dans yushbihu manger ou trouver, et dans fi al-akhir sayakunu compter. Neuf chez بالنسبة لكوبيي, yem af'al al-majmou'a al-oula, et dans peu accent fi al-akhir. Grossir, ou كذلك af'al المجموعة الثانية إذن في الأخير سيكون هناك إي vendre ومن أفعال المجموعة الثالثة c'est un verbe de troisième groupe alors le participe passé c'est écrit vendu j'ai vendu tu as vendu il a vendu nous avons vendu vous avez vendu ils ont vendu إذن دائما إي في الأخير acheter c'est un verbe du premier groupe alors E accent à la fin E accent في الأخير connaître ou faire في المجموعة الثالثة كذلك فهو يصبح هكذا connu j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu الآن ننتقل إلى تمرين آخر conjugue les verbes au passé composé لدينا هنا أفعال سنقوم بتصريفها في الماضي المركب لدينا rouler vite يسير بسرعة rouler vite في ضمير vous إذن لتصريف أي فعل في الماضي المركب قلنا نصرف أولا ماذا الفعل المساعد avoir في المضارع
إذا ماذا سنقول؟ سنقول vous avez, vous avez. ثم نضيف إليه لو بارتيسيب باسي رولي أكسون. أو أكسون رأينا في المجموعة الأولى دائما لو بارتيسيب باسي بوان أكسون à la fin. Alors, il devient comme ça. Vous avez roulé. Nous avons le participe passé avoir, plus nous avons l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe rouler, qui est un verbe de premier groupe. Alors, il prend un E accent à la fin et il ne s'accorde pas. Bien, on passe à la deuxième phrase. Nous avons ici un verbe du premier groupe. Et donc, fiel, filmejmal, oula, neuf chey, yushbihu. Rouler, et dans l'akhir, c'est qu'on adorait, E accent. ولكن هنا لدينا نو اذا عندما نقوم بتصريف لوكسيلير avoir في المضارع نقول nous avons adoré les chats. ننتقل الى fleurir في الضمير الثالث للمفرد il هو سنقول il a fleuri fleuri fleurir c'est un verbe de deuxième groupe اذا سناخذ i في الاخير il a fleuri le jardin. Tu, le verbe manger, on a dit le verbe manger, c'est un verbe de premier groupe. Fait le majmou al-ula, neuf chay, ya'khudo, e accent fil akhir. Et then, tu y as as, manger proprement. Écrire, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, fait damir hunna, elle, le auxiliaire avoir, on va dire en, ils ont écrit une lettre. إذن أحبائي الكرام إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. آمل أن يكون قد نال إعجابكم، وإن كان كذلك لا تبخل علينا بتشجيعاتكم خاصة بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم والمشاركة في القناة بالنسبة للمشاهدين الجدد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.